accompagne le gouvernement, le travail, le gouvernement local ici, continue ce travail, parce que un travail qu'il fait dans 4 bonnes années peut continuer. Okay? Et beaucoup de projets, beaucoup de réalisations, ça l'innove pour nous mentionner. Okay? Et nous continuons à même digner. Ou une cause va quoi, Urban Terminal, qui est plan pour ce projet-là? Bon, évidemment, il y a un grand projet que le gouvernement central peut mettre dans la disposition de la ville de Vaca-Phoenix. Et on va partenaire à nous pour que ce projet-là vienne une réalité. Et qui ça touche spécial, vous dire, ou quoi apporter là? Pour me toucher sur place, c'est qu'on écoute des bons habitants et on peut aller, on va aller partout. Qui ont des problèmes là, un ASO, un problème qui vient régler en l'indigence, un problème quotidien, drain, éclairage semaine, compteur semaine, ainsi de suite, pour bien atteindre ça. Quelle est ma priorité pour la ville en ce moment? Bon, ma priorité la ville. Je crois que mon ancien mon précédent, il finit faire beaucoup de travail, et qui priorité la ville. Et tout ce qui va qui m'ont fini là. Parce que nous déjà fini commencer, pour commencer le travail, mais priorité la ville, nous devons continuer dans la direction là même. Bon, je suis très content. Premièrement, c'est pour la ville de Vaca-Phoenix. Comme vous avez entendu au niveau des, je sais que vous avez dit, au niveau des projets, il y a beaucoup de projets à faire. Par exemple, j'aurais aimé mettre l'emphase sur la culture, l'éducation. Comme nous le savons tous, au niveau de sport, on fait très bien à Vaca-Phoenix. Et un peu sur le STAM, théâtre et ainsi de suite.